nous saluer la presse parlée, écrit, télévisé, les médias en ligne qui répondent présents à la conférence pour la presse. Parti sociopolitique Viva Haïti a fait une conférence de presse à 21 pour demander avec tous les médias qui sont représentants là. Mais tout pour demander avec l'État haïtien et pourquoi pas le peuple haïtien, comment se fait-il bon bon dossier qui fait gros tollé dehors alors que pas ici, c'est parce que silence ou bien blackout qui fait sur nous. Nous sommes dans une période RNDDH, Père Espérance, t'es dit, M. Bel-Romel, il y a 3 millions de dollars américains, la paille avec Michel Martelly chaque mois. En plus, le monde t'a banalisé ça. Il t'a posé la question, côté M. Pajon, nous sommes propres pour ça. Mais je dis, hein, une bonne vérité commence à apparaître à clair. Ça qui veut Bel-Romel là, nous ne pouvons pas dédouaner ou bien féliciter les États-Unis d'Amérique pour ce qu'ils disent. Mais par contre, nous supposons, après Américains finissent de bagaille ça, que Bel-Romel, qui n'a pas trafic d'armes, qui n'a pas trafic de cartouches, qui a fait pile million, sous deux personnes qui sont victimes, qui sont kidnappées, qui sont prises balle, nous avons silence société. Nous avons silence des CBJ. Nous avons silence la justice. Nous avons silence ou ensemble de médias. Je dis, on vient apprendre côté nous. Alors que tout le monde connaît le kidnapping qui tol fait pays. 11 familles ont distribué 4 touches d'armes dans tout le pays. Ça a été secret. Personne ne peut pas connaître. Alors que nous sommes victimes presque chaque jour. En dans la cahou, ou dans les prisonniers, pas marcher. Je dis, là où on est directeur général, la douane, non cité nos bagages comme ça, je veux dire, pile bagaille. Parce que les amis vont dans le ciel sortir. Cartouche. Et pas dans l'espace sorti. Et tout le monde connaît ça qui a passé pays. La douane représente pas soi. Donc je dis, comme si le commissaire gouvernement ça là, si c'était moi-même, action publique pas bien en mouvement, ou bien c'était n'importe qui qui était bon table là, pas bien en action publique en mouvement, on dit ça qui a passé là, comme si DCPJ, on devait demander pour ça, ça les comptes à faire là. On croit son dossier comme ça. Nous prenons nous compte, tout ce qu'on a payé à un groupe gang. Nous prenons nous compte, chaque coin a payé à un groupe général. Nous nous compte combien de monde y a kidnappé par jour, combien de monde y a victime par balle. Là, Matisse représente un défi. Quoi de vous qui est pour la police, il était qu'à périr. Je dis à ça arriver. Et puis moi, je fais une lettre pour la dire, bah non, rien. Responsable à la douane, qui sont pas soi, tout le bagage passe là, de nous, bah non, rien. Comment on fait pas rien? Comment on fait pas rien? Il y a raison de dire pas rien. Parce que la police fait silence. La justice fait silence. La presse fait silence. Tout le monde fait silence et puis mon a victime. Ça avec un peu de tristesse. Chaque matin, vous attendez, si mon a kidnappé, par un après le bagage corps. Et je dis, tout le monde attendait volume corps. Chaque fois que vous kidnappez, vous avez demandé, c'est 300 000, c'est 400 000, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc je dis, nous commençons à comprendre, côté belle joint corps, ça y est, pour la payer Michel Martelly, 3 millions de dollars américains chaque mois. Donc je dis, mon autre bagage, vous comprenez. Comme si vous êtes président pays, annoncé dans tout le monde. Mais mon chien, il n'a pas annoncé de la donne. Et quand je me dis, permettez-moi de féliciter la diaspora qui est prend responsabilité. Mais nous-mêmes, tout va bon ici. Ça fait nous pas prendre responsabilité. Pour nous parler la route avec Avadra, Malandré, qui l'a gagné dans la situation. Mon pays dans grand bout, dans la misère, dans le chômage, dans la vie chère, dans l'insécurité, dans le gang tout partout. Nous ne pouvons pas marcher tout. Et puis, nous avons des amis à l'aise. Et puis, quand on a ça qui est grave là, Ariel Kebel, c'est notre poste toujours. Nous sommes toujours directeur général de la douane. Pas un monde qui dit ni monter ni descendre. C'est grave. C'est grave, oui. C'est comme si nous avons une complicité pour le peuple, la victime. Un complot, l'État là-dedans, à bandits. Pour le monde, pas qu'à marcher. Pour le monde, pas qu'à, eh bien, circuler dans la rue, libre, libre. Donc, côté ne pas ça, là. Maintenant, là, nous nous faisons appel. Pour nous dire, Ariel, ou déjà, on kidnappe déjà comme ministre intérieur. Mais je dis, là, on ne peut pas qu'on trafique un ZAM dans le temps gouvernement encore. C'est pas possible. Nous, on a déjà qu'un balai. Donc, je dis, comme si le gouvernement, ça. Qui modèle le monde qui la donne? Comme c'est fatra seulement. Pas qu'un monde comme si vous allez tirer pour dire ça à Mio. Mes amis, lui va sérieux. Lui va sérieux. C'est normal pour Dominique qui a bêtisé avec Haïtien comme ça. C'est normal les Haïtiens qui vont de l'autre côté pour ne pas respecter nous en tant que nation. C'est normal. Comme si le, nous-mêmes, nous campions, nous campions là pour le monde, pas prendre pour rien. Je dis à nous, plus mal que Syrie, Libye, Iran, Irak et même Afghanistan. On est comme ça, supposé en bas. Pour t'apprendre à répondre à la question, la justice, la police,
qui coupe gang ou armé déjà, qui quantité zam ou bay déjà. Moi moi bien son son doit et parler, yo passer devant télévision devant toute caméra, la parler, il dit mais qui est Steven Zam? Mais qui est Steven Cartouche? En comme si je dis à nous venir tête sous ça. Pour me pas venir devant caméra tout, on pas ca belo mais devant caméra, a dit li vont iso zam, li vont ti la bizam. Li vont barbecue zam, comme si me pas ca ça tout, nous pas ca ça. Nous pas envie ça tout. Comme si gros poisson y a caché et puis petit poisson eux même n'a pas vu yo. Comme si vous n'êtes où venez gros c'est pour ça pour t'a servir peuple pour t'a servir peuple et puis c'est tête trop détruit monde et puis tout monde a garder loger de ça n'est pas pas ça de ça n'est pas pour nous nous qui droit pour nous mourir c'est pour nous moi même pas dire plus nous souhaiter DCPJ nous souhaiter la justice nous souhaiter la police prendre responsabilité avec nèg ça nous c'est pas ça moi pas dire les États-Unis d'Amérique gain raison le l'accuser au monde ou bien le retirer visa au monde moi pas dire ça mais on n'est pas dans dimension ça. Pour nous citer dans gros cercle aussi ça et puis pour moi silence société pour moi silence société nous il y a monde qui t'a dénoncer kidnapping chaque jour il y a monde qui t'a dénoncer crime qu'a fait dans pays à chaque jour mais moi je pas dénoncer belle ça passe je dis à bouillon seul bon bah là des force côté mais pas comprendre nous monsieur qu'on 11 familles bon même si on gagne 11 familles mais en attendant que ça toujours nous te doit poser question parce que nous pas compter monde qui mourir pas jour. Nous ne pouvons pas compter les gens qui sont kidnappés par les Japonais. Nous ne pouvons pas compter tout. Eh bien, les gens qui font partie de la classe moyenne, qui sont décapitalisés. Même si je parle de la bourgeoisie, nous ne pouvons pas gagner encore. Parce que ça a été comme le coup qui était payé. Il y a une révolution. Donc, nous souhaitons l'État pour responsabilité de l'État. Mais tout, Ariel, sous honnête, sous sérieux, vous avez déjà un bon retour déjà dans le bas. Vous avez kidnappé déjà comme ministre intérieur. Mais je dis, pas logique. Tant de nèg non cité dans 20 ans et puis jusqu'à présent tout nèg ça aurait été dans place yo comme si l'état est pour nèg ça seulement le fait et nèg ça seulement pour l'état et nèg ça seulement qu'a diriger et puis diriger qui diriger diriger pour détruire peuple ce que peuple haïtien pas responsabilité à bon entendre ça. Nous saluons pour ça Dieu pour présent la conférence ce matin. Comme nous connaissons chaque jour, chaque semaine nous lever, nous avons un pays qui a des événements à produire. Et il y a des choses qui font l'actualité dans le pays et qui rendent la société invivable. C'est question d'insécurité, gang, kidnapping, etc. dans le pays. Nous rappelons, et CNDDR, pas voir une n'importe parole lio et dit avec nation monde qui a porté des armes dans le pays qui a vendu des armes dans le pays a gain 11 familles et jusqu'à présent nous même société citoyens qui payent taxes permettent tout le monde qui est dans l'état à jouir des privilèges et nous même tout cas victimes de insécurité ça jusqu'à présent par aucune autorité qui en mesure pour dire population mais qui moun cap importer zam cap importer bal vend gang yo pour tuer moun en dans pays pour kidnapper weekend tout passé à là y a pile qui ka kidnapping en dans pays particulièrement gros fillette yo kidnappé dans zone Crissoir. Donc, nous presque nous arrivons au côté, nous par contre, ça qu'on fait avec tête. Nous par contre, à qui monde pour nous adresser nous encore, nous par contre, à qui c'est pour nous adresser nous encore, pour nous joindre une solution avec la question de sécurité dans le pays. Pendant ce temps, et c'est avec un grand étonnement, pendant ce moment, et nous allons voir sur les réseaux sociaux. Et puis devant, nous allons informer et plus d'informations concernant les citoyens haïtiens. Et que l'État investit dans lui pendant 27 ans. Nous faisons salier la journée de l'autre. Nous voulons parler du directeur général de Douane Bel-Romel. Depuis 27 ans,
l'État haïtien a investi dans Bel Romel jusqu'à ce que lui vienne directeur général là. Eux, j'ai servi avec l'argent de l'État. L'argent de taxe citoyen. L'argent de taxe malheureuse qui a bourriqué dans la diaspora. Non seulement il y a corruption, le volé l'argent, même l'argent sale volé, monsieur pour investir l'argent, n'a acheté ça. N'a acheté balles pour vendre avec d'autres. Les États-Unis, ils sont arrivés à couper visa Bel Romel. Nous-mêmes, au niveau Viva Haiti, nous vérifions et nous confirmons. À travers le monde qui nous bien, des amis qui nous gagnent dans l'ambassade, nous confirmons le bas. Maintenant, tout ça, est-ce que ça, les États, ça, l'ambassade l'a dit à la vérité, son vérité? Donc, on a pile fois, les États-Unis, ils ont toujours coupé visa des citoyens haïtiens par rapport. Et avec opinion politique, vous n'êtes pas d'accord ensemble avec lui, et vous faites marchandage avec question visa pour couper visa ou pour faire bac. C'est ça que fait nous-mêmes, l'un dans les informations, l'un joue l'information, nous ne pouvons pas prendre pour l'évangile, mais nous cherchons les moyens de fouiller les zones dans le canal. Et l'un fouille les zones dans le canal, nous venons jouer effectivement, Bel Romel est bien et belle impliqué dans la question de vendre avec gang dans le pays. Si nous rappelons que nous avons un gang 400 Barozo qui a sauvé, qui a gang dans le Saint-Domingue, nous avons les Zo, qui a été notre David. Je n'ai pas parlé avec nous dans la radio dans la capitale. Léo a posé une question, le journaliste a posé une question. Côté du gang 400 Barozo, je viens ZAM. Il a cité non 4 mondes. Alors, il a fait 4 références. Côté ZAM yon sorti. Il te cite yon moun ki genye pompe gaz dans quoi des bouquets. Il te cite yon moun ki rete santo. Il te cite yon lot ki rete dans zone douya. Et, le yon te mande, ki kote ZAM yon sorti? Nan ki port? Il dit tout ZAM sa yo, pi fo ZAM 400 Barozo yo, yon sorti nan port Port-au-Prince, et se directeur douane nan ki facilite yon jwenn li. Mais comme son bandi, comme son gang ka pale, nous, pas de prendre ça au sérieux parce que nous connaissons gang yo souvent. Si yon pas battre la police pour pouvoir arrêter yo, yo ka besoin accuser n'importe qui moun, yo dit n'importe qui bagage sur n'importe qui moun. Et ça fait pas de prendre déclaration zoa au sérieux. Et je dis, les États-Unis viennent confirmer effectivement que Bel Romel, directeur général douane, est impliqué dans vente ZAM, est impliqué dans vente cartouche. Et avec qui moun li vendre, c'est avec gang, c'est avec bandit. Qui côté jeune comme ça, c'est comme lui voler dans la corruption, dans la douane, il prend même comme ça pour l'acheter des armes, pour l'acheter des munitions, pour le vendre avec lui. Je veux dire, la société a souffert dans tout le monde. Avec question insécurité, avec question kidnapping, avec question massacre qui a fait dans le quartier populaire. Zone Matissan qui n'a jamais débloqué. Parce que les gangs ont toujours des copes dans les mains, des armes dans les mains, ils ont tiré les gens qui ont fait ça. Je veux dire, c'est grave. Pour nous, 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 l'État investi dans nous, pour servir avec l'argent l'État, pour détruire la société ensemble avec nous. Et ça, c'est grave. Les États-Unis font une décision, ça, pour ne pas sentir une mobilisation contre l'État haïtien. C'est comme si son équipe pour la neige. Mais il y a l'autre constat qu'on fait au niveau société. Et c'est ça, c'est grave. Comme Bel Romel, c'est nèg qui gen gros kòb nan men, l'argent corruption nan men, société a c'est comme si bagay sa ta dwe passer inaperçu. On dit non, ni pas ka passer inaperçu. Si c'est une bonne garantie, si c'est n'importe qui directeur général qui pa t'ap gérer l'argent, leur kon sa, mon cher, so, et radio, réseaux sociaux t'ap enflammé pour demander arrêter directeur général ça. Mais comme M. Sonek qui est comme dans le qui est en corruption, tout le monde peut parler des dossiers en façon pour Bel Romel pas de problème ensemble avec. Mais pas oublier, c'est chaque jour qu'on a souffert. On va kidnapper. Je veux dire, si bon monde qui a kidnappé, si par contre qui monde pour le côté plaide, sous contre qui monde pour le côté plaide, les États-Unis ouvrent porte là-bas nous
pour dire nous mais qui monde mais contre qui monde pour n'apporter plainte. Il y a 11 familles qui importent des armes en dans pays pour tuer nous, pour kidnapper nous, il est belle rebelle. Donc ça lui même dit révolte conscience. Nous même au niveau Vive Haïti pour nous dire ça, nous pas prendre ni dans mes pouvoirs ni dans mes belle rebelle. Dans quel que soit l'autre pays. On bagaille comme ça passé. Premier bagaille citoyen ça t'a fait c'est d'a démissionner. Welcome rete là toujours. Donc il était là pour protéger tête pour prendre prétexte comme directeur général pour pas la pour pas rendre tête li bay la justice pour la justice ça poser une question. En attendant, nous même nous dire Vive Haïti son dossier n'a suivre de près et faut que l'état ici. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakay, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakay.